Beaucoup de déception, beaucoup de frustration parce qu'on n'a clairement pas été au niveau. Bon, là, on est passé à côté de ce match. Ça arrive, mais voilà, ça peut pas arriver parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on enchaîne des bons matchs. Et là, clairement, ce soir, on est passé complètement à côté. On avait prévu de mettre pas mal de choses en place, mais on a failli, notamment dans les rucks. Et ça a été notre gros point nord. Ce soir, on n'a jamais pu mettre notre jeu en place, jamais pu mettre de vitesse. Et puis, franchement, on a failli aussi dans l'agressivité qu'on a mis. Donc voilà, ce soir, on n'a pas pu exister, tout simplement. Ouais, mais on passe à côté de très peu sur le premier match et on gagne le deuxième, donc il faut qu'on se rattache à ça. Moi, j'ai complètement envie d'oublier le dernier, même si forcément, je pense qu'il va rester dans nos têtes un petit bout de temps comme le Japon. Mais voilà, on a quand même fait deux bons matchs sur les deux premiers. Il faut qu'on s'appuie sur ça parce que maintenant, on n'a pas le temps de garder le négatif dans nos têtes. Il faut qu'on avance, donc gardons le positif des deux premiers, même si franchement, celui-là, il faut pas l'oublier quand même. Il faut le garder dans les têtes. Ouais, on parce qu'on est passé complètement à côté. On s'est fait prendre dans l'engagement. Et puis, à ce niveau-là, ou même en top 14, c'est pas normal de passer à côté, notamment dans l'engagement et dans l'agressivité. Donc voilà, on sait très bien que le rugby, ça passe par de l'agressivité. Et si on est fort au contact, après le jeu peut se libérer. Là, ce soir, il n'a pas pu se libérer parce qu'on a failli dans ce domaine-là. Donc voilà, il faut qu'on s'en sorte pour les prochains matchs, même si c'est pas facile à avaler quand même. Ils vous ont surpris, ces Fidjiens? Absolument pas. On les a en club toute l'année. Donc non, ils nous ont pas surpris, mais voilà, ils nous ont fait la guerre dans les rucks. On le savait quand même. Et on a failli dans ce domaine-là. Donc ça a été compliqué après pour nous pour mettre notre jeu en place, quoi. Ouais, mais bon, ils se sont appuyés sur nos erreurs. Quand ils reculent et puis à un moment il y a un contest et on se fait pénaliser, et bien, ils repartent 50 mètres après derrière. Donc nous, c'est ce qui nous a fait, ce qui a été notre gros point nord, on va dire, parce que dès qu'on a trouvé cette avancée-là, et bien, on s'est fait après pénaliser dans ces phases de ruck ou des ballons après perdus. On a tenté des passes qui n'ont pas du tout marché. Voilà, ça aussi, c'était un petit point noir, donc ben voilà, maintenant il faut se remettre au boulot en club et puis surtout pas l'oublier parce que pendant le tournoi il faut qu'on se serve de ces matchs-là. Après, je vous arrête de suite, le projet il est là, le projet il est en train de se mettre en forme. Nous on écoutera pas ce qui se dit, je vous le dis de suite. Je pense qu'on va garder surtout le positif des deux premiers. Celui-là, ben, on est passé à côté, même si ça fait vraiment mal parce qu'on voulait finir sur une bonne note. Maintenant, voilà, il faut garder le positif. On n'a plus le temps, comme je le disais. Donc le négatif, il faut le jeter à la poubelle. Mais par contre, je pense qu'il va rester un petit moment dans les têtes, à l'image de celui qu'on avait fait l'année dernière contre le Japon. Donc voilà, il va rester dans les têtes. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur ça pour plus reproduire ce genre d'erreur.